Today in Cameroon's economic capital city, Douala, ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on a midday edition of the Balingua newscast. We are live from our central news desk. The first part of this midday information edition of information is in the French language with Julien Bert-Bissai. Julien Bert-Bissai, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. D'abord, cette grogne des ex-combattants séparatistes installés au Centre national de désarmement, démobilisation et réintégration sociale de Boya dans le sud-ouest. Ils ont posé des barricades hier sur les voies menant dans le dit centre pour manifester leur mécontentement contre le traitement qui leur est infligé et les promesses non tenues du gouvernement. On fait le point dans ce reportage de Cédric Ding. Barricade dressée, la Gold Star Institute de Boya aura connu une scène des plus étranges. Des jeunes du centre de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sont sortis dans les rues afin de manifester leur mécontentement quant à leur prise en charge et réclamer une réinsertion plus efficiente au sein de la société. Nous sommes là depuis le nombre de mois qu'on nous a dit qu'on devait passer ici. Mais depuis tout ce temps, nous n'avons pas été réintégrés dans la société. On nous a promis de nous réintégrer après 6 à 7 mois. Mais nous sommes ici depuis plus d'un an. On veut partir. On veut pouvoir se débrouiller, se reconstruire une vie. Ici, on ne peut rien faire, ni envoyer quelque chose à nos familles qui sont restées dehors. Nos femmes nous ont quittés. Nos enfants souffrent hors d'ici. Ces derniers ont bloqué les axes routiers. La descente du secrétaire général de la région du Sud-Ouest en compagnie des forces de gendarmerie pour tenter d'apaiser les mutins n'aura pas réussi à calmer ces derniers. Un mouvement d'humeur qui intervient alors que le gouvernement milite pour un dépôt des armes des séparatistes et pour leur intégration dans les 10 centres de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Et de violentes détonations ont fait perdre le sommeil aux populations du quartier Bipanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ces explosions sont survenues dans une banlieue du 5e arrondissement, je vous le disais. Les victimes sont deux jeunes engagés dans la manipulation des engins explosifs improvisés. L'un d'entre eux est décédé à l'hôpital général de Douala. Le récit des faits, c'est avec Donald Price Kamgan. Sur cette vidéo amateur, les deux hommes brûlés au troisième degré par l'explosion. Dans un état critique, ils sont transportés pour l'hôpital général de Douala. Dimanche après-midi, de fortes détonations sont entendues dans cette construction. À ce moment-là, l'une des deux victimes de l'incident est dans sa chambre, son ami dans la cour. Je suis sorti, j'ai vu le premier gars. Il était ici, que le feu lui est pris partout, partout. Je suis sorti de là-bas, dehors, commencé à crier qu'il y a problème, pardon, venez nous sauver. Dans un premier temps, les voisins pensent à un simple incendie. Mais l'essentiel, c'est d'abord d'éteindre les flammes et porter secours aux deux brûlés. Ils étaient déjà brûlés. Ils sont sortis, on les a fait sortir, on les a portés. J'étais devant la cour, ils ne parlaient plus. C'est avec l'arrivée des forces de maintien de l'ordre que le dispositif électrique donne des précisions sur la nature de l'incident. Il s'agit d'un engin explosif improvisé. Dans cette vidéo, on aperçoit une dizaine de batteries, des cartouches composant le dispositif. Un seau de poudre à canon sera également retrouvé plus tard. Que faisaient ces deux jeunes dans cette chambre? Le flou persiste sur la nature de leurs activités. La piste d'un lieu de fabrication de bombes artisanales est évoquée. Des interrogations également sur les intentions derrière ces activités. D'après le voisinage, les deux jeunes étaient arrivés du nord-ouest il y a quelques mois. Après cette explosion à Bipanda, lieu du peuple, la sérénité n'y est plus que relative. Nous on a peur que ce qui se passe ailleurs arrive ici. Nous, on a vécu ici pendant longtemps sans rien, quoi, sans même un taux comme ça. Non. Maintenant, quand c'est le boum boum là, la peur que j'avais hier, si j'avais là où partir, je ne dormais même pas chez moi. Pour des besoins d'enquête, une demi-dizaine de personnes ont été interpellées après l'explosion, pendant que d'autres ont été entendues. Les forces de sécurité gardent un œil vigilant sur le lieu de l'incident. L'un des deux brûlés a rendu l'âme lundi matin.
Et après le drame de Tiang qui a endeuillé plusieurs familles, le ministre des Transports a effectué une visite sur le site et y a déposé une gerbe de fleurs. Jean-Enès Masséna Ngalé-Bibéré a ensuite pris une batterie de mesures visant à stopper la saignée des accidents sur les routes de la région de l'Ouest Cameroun. Et parmi elles, l'on peut citer ou figure le renforcement des contrôles mixtes, mais également la dotation de radars semi-portatifs et la mise à disposition d'un engin de remorquage des véhicules en panne. Une batterie de mesures qui ne rassure pas des syndicalistes. Leclerc Sakel. Deux temps forts ont marqué la visite du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé, dans la région de l'Ouest. La pose d'une gerbe de fleurs au lieu du drame, suivie de la visite de reconfort aux rescapés à l'hôpital du district de Tchong et à l'hôpital régional de Bafoussam. C'est un moment assez émouvant, je dirais même très émouvant pour nous d'être venus ici aujourd'hui. Vous êtes tous sans ignorer la douleur que connaît notre pays depuis 30 jours. Après cet incident malheureux, le chef de l'État a pris à bras le corps ce problème et a décidé de prendre en charge la totalité, je dis bien la totalité des frais liés à cet incident. Nous sommes donc envoyés ce jour, nous sommes en mission du gouvernement, sur très haute instruction du chef de l'État, pour d'une part venir dire une fois de plus avec force ce qu'il avait déjà dit, c'est-à-dire la compassion du gouvernement et apporter notre soutien aux familles endeuillées et notre réconfort aux victimes. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, qui est toujours en droite ligne avec la première, c'est de venir ici avec les autorités administratives pour nous assurer des mesures qu'il conviendra de prendre. En pareille circonstance, ministre des Transports et les acteurs du secteur de transport se sont retrouvés dans la salle de la délégation départementale de transport pour la Ménois pour une séance du travail. Au sorti des échanges, plusieurs résolutions ont été prises, à savoir la mise en place d'une brigade de contrôle mix, gendarmerie, police et prévention routière, la dotation de deux radars semi-portatifs de dernière génération opérationnels de jour comme la nuit sur les axes Yaoundé-Bafoussam, Douala-Bafoussam passant par Tchong, la mise à la disposition à la région de l'Ouest d'un engin pour enlever les obstacles aux véhicules mal garés. Si ces résolutions trouvent un écho favorable près des syndicalistes, ceux-ci déplorent la précarité qui caractérise le secteur de transport dans la région de l'Ouest et la mauvaise qualité des infrastructures routières. Des patrons qui sont dans des logiques de jonglage. Vous ne pouvez pas expliquer qu'un bus de transport interurbain, on prend un bus neuf, on arrache les plaques sur le vieux bus, on fixe au service technique. Ça peut être une Bafoussam. On rentre, on remonte à la barre du bus. On reprend un autre vieux bus, on dépose en route avec la plaque du bus neuf. Ça voyage. Le lendemain, la même plaque, ils iront faire la visite technique à Bouda pour faire voyager le bus. Nous avons eu un cas sous la main dernièrement où on nous a appelé, où un bus est arrivé au contrôle technique avec une carte grise. Et en frappant la machine, on se rend compte que le même numéro venait de passer, ça ne faisait pas deux mois. Ça a créé des problèmes. Ils ont créé le mouvement, ils sont partis au bus ailleurs, faire le contrôle technique. Et c'est autant de choses que le bus devait être regardant là-dessus. Les états de réduits, mais il y a les contrôles routiers. On peut expliquer comment qu'un camion peut arriver avec du carburant et on sait que c'est du carburant trafiqué, on laisse circuler. Ça part de Magba pour finir faire l'accident à Sancho, étant escorté par ceux-là qui sont censés mettre. Nous avons de très bons textes à notre République, mais l'application fait problème. Le bilan de l'accident de la falaise de Tchong au dernier comptage s'est alourdi, passant de 53 à 55 morts. D'autres cas graves ont été transférés à l'hôpital général de Douala. Parlons économie à présent. Le développement des incubateurs d'entreprises publiques et l'accompagnement des projets d'entrepreneuriat jeunes ont mobilisé des financements de l'ordre de 4 milliards 60 millions de francs CFA. Cependant, ces chiffres du ministre des Petites et Moyennes Entreprises illustrent des besoins importants pour assurer la pérennité des PME frappées de plein fouet par la crise sanitaire et les effets de la crise anglophone. Aïk Cyril. C'est l'heure de l'évaluation au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat avant d'entrer dans la nouvelle année budgétaire.
Pour 2020, selon le Minmesa, un accent a été mis sur l'opérationnalisation des incubateurs d'entreprises publiques au Cameroun. En 2020, il m'a été donné de visiter un certain nombre d'incubateurs des universités, aussi bien à Douala qu'en Ngaoundéré, et naturellement l'école polytechnique ici à Yaoundé, Subvalor. Et nous avons entrepris sur l'année 2020 d'apporter 60 millions d'accompagnement à l'incubateur de l'École nationale supérieure polytechnique pour dynamiser davantage le rayonnement de cet incubateur. La promotion de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes aura également préoccupé le Minmesa au cours de l'année qui vient de s'achever. Achille Basile King III cite notamment le coup d'accélérateur donné à la pépinière nationale pilote d'entreprise basée à Edeya dans la Sanaga maritime. Une première promotion a gradué de cette pépinière pilote le 22 juillet 2020 et nous avons sous la main 18 pépins qui ont vu leur projet porté à maturation. Ces projets dont le coût global avoisine les 4 milliards présentent des potentialités d'un retour sur investissement à moyen terme de l'ordre de 110 milliards de francs. Si l'année 2020, selon le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, a été marquée par la finalisation de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat, reste à mener des actions concrètes sur le terrain. Pour 2021, le Minmesa annonce une embellie dans la dynamique de transformation économique et structurelle du Cameroun. Avec l'Université des Trois-Rivières au Canada, qui a été affectée à cette tâche de consultation, il s'agit de voir exactement comment les dispositifs d'appui financier et non financier sont opérationnels. Qu'est-ce qui peut être amélioré pour que finalement la PME puisse se nourrir en fait d'un dispositif d'accompagnement qui soit à la hauteur des attentes, des besoins dans notre écosystème, mais aussi que finalement certains obstacles soient levés avec efficacité pour que les promoteurs de PME puissent développer leur activité en toute sérénité. Après diagnostic, il ressort que d'importantes ressources devront être mobilisées afin d'accompagner les projets de développement entrepreneurial au Cameroun. Les opportunités et possibilités de financement meublent les débats de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat qui se tient à Yaoundé. Parlons sport à présent, à quelques heures du match Cameroun-Maroc, comptant pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations 2020. Les Lions à prime ont eu une séance d'entraînement hier lundi au Centenary Stadium de Limbé dans le sud-ouest. Vous le voyez en image, les poulains de Martin Tungupile effectuent des exercices physiques qui les permettront de venir à bout des Lions de l'Atlas du Maroc, tenant du titre. Le duel des fauves se joue donc demain soir dès 20h à Limbé, dans le sud-ouest. Et vous le voyez, je le disais, à quelques heures du match Cameroun-Maroc, comptant pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations. Les Lions à prime ont eu une séance d'entraînement hier lundi au Centenary Stadium de Limbé dans le sud-ouest. Et vous le voyez en image, ces poulains, les poulains de Martin Tungupile effectuent des exercices physiques qui les permettront de venir à bout des Lions de l'Atlas du Maroc, tenant du titre. Le duel des fauves se joue donc demain soir dès 20h à Limbé. La deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bert Bissai. Ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of information. Two persons have been wounded, and of course, one person wounded and another person dead in Bepanda in the Douala 5 subdivision. The two persons were involved in an incident that occurred in the late hours of yesterday. It should be recalled that it was a locally made explosive that exploded in the Bepanda neighborhood, leaving one person dead and another severely wounded. The two persons involved in the unfortunate incident are suspected to have been the persons behind the fabrication of the locally made explosive. Details with Immaculate Fogwe.
an amateur video footage showing two persons being transported to the Douala General Hospital after incurring third-degree burns. A loud noise was heard in this compound located at Kwaru's Bipanda in the Douala 5 subdivision. After hearing the loud noise, neighbors mobilized themselves in order to save the victims. The arrival of law enforcement officers on the scene facilitated the detection of an improvised explosive device. It is in this room that the incident occurred. Almost everything got burnt. Dozens of batteries, cartridges and gunpowder were discovered in the room. According to neighbors, the two young men came from the northwest region a few months ago. The explosion has left inhabitants of Bipanda gripped by fear. I was having siesta when I heard a loud noise, so I rushed outside and I saw smoke coming out from that room. I later saw a man equally coming out and he incurred severe burns. We had to break the door in order to save the others. I had to sleep somewhere else because the compound was sealed. Even my kids were unable to go to school. La peur que j'avais hier, s'il y avait là où partir, je ne dormais même pas chez moi. Everybody ran helter-skelter after hearing the explosion. There is no security in Cameroon. We are scared that what is happening in the northwest and southwest regions gets here. If I had somewhere else to sleep, I would have left this place. We thought it was a gas bottle that exploded. We are not secured. According to reports, one of the victims, who is a student of the Faculty of Economic Sciences of the University of Douala, revealed that the explosion occurred after he ignited his cooking gas to prepare breakfast. But investigators say he lied, given that he could not have ignited the gas before peeling the potatoes he claimed he wanted to fry. The two, who hail from Balikumbat, are suspected to have been fabricating a bomb when it exploded. Dozens of persons have been arrested after the explosion for investigation purposes. Meantime, the neighborhood is highly militarized. According to hospital authorities, one of the injured victims later gave up the ghost. Repentant combatants of the Center for Disarmament, Demobilization and Reintegration in Bouya Southwest region of Cameroon were on a protest demonstration yesterday Monday to demand better living conditions. The ex-combatants blocked part of the street leading to the neighborhood of Bokwangu in Bouya in the early hours of Monday in their attempts to make their voices heard. Security forces were immediately deployed to the scene as they watch on to avoid any escalation or violent acts in the course of the protest. The ex-fighters say they have been abandoned to themselves. Promises made have not been kept while their living conditions at the center are not the best and wants improvement. The protest comes after previous media reports of mismanagement of funds and poor treatment of ex-combatants, some of whom have become beggars in the streets of Bouya. Cameroon's Minister of Transport, Jean-Ernest Masinangale-Bibe, says his ministry has launched a war against illegal transportation or clandestine transportation and the transportation of harmful products in Cameroon. The minister was speaking accompanied by members of the Road Safety Network from the National Assembly to the accident scene of La Falaise in the Mena Division of the West Region of Cameroon that saw 53 Cameroonians killed. Details in the following report. Saw 53 Cameroonians dead at La Falaise in Chang, Menua Division of the West Region of Cameroon. Members of the Parliamentary Road Safety Network descended to the scene to see things for themselves, sympathize with victims, and strategize on how to better handle their road safety sensitization mission. It was with very deep shock that we parliamentarians received
the terrible news of the death of over 50 Cameroonians at the place called La Falaise d'Inchang. Knowing that words alone cannot do justice to the memory of the dead and to the anguish of their families, the Speaker of the National Assembly, the Right Honorable Kavayege Jibril, commissioned us members of the Parliamentary Network for Road Safety to come here today and pay homage to our brothers and sisters who are gone, and as well to transmit a message to the survivors. Shocked by the unfortunate incident, the Parliamentary Network promised to intensify sensitization as a means to avoid further accident, with focus on road users. We try to reduce accidents in our road. Sensibilize the drivers, sensibilize the government, sensibilize every person, because it's not a problem of one person. You know that the Minister of Transport is not his own problem, but it's the problem concerns all people, and we need to work together to try to solve the problem. The people's representatives frowned at the irresponsible behavior of some drivers and say the accident should be a wake-up call to all Cameroonians. It's a call of all of us Cameroonians to adopt safe behaviors on the roads, so that this cycle of recklessness, which has occasioned so many deaths, stop. Also present was the Minister of Transport, Jean-Ernest Masinangale Bibe, who announced that his ministry has launched a war against clandestine transportation and the transportation of dangerous products in Cameroon. Jean-Ernest Masinangale Bibe says his ministry, in collaboration with partners like the Parliamentary Road Safety Network, will get rid of the phenomenon of the transportation of dangerous products in Cameroon, which is unfortunately coming back after 5 years. Following an accident that saw 53... responsibilities to the accident on La Falaise in Chang and several other accidents in different localities across Cameroon, members of the opposition political parties in Cameroon say responsibility for these accidents should be on government officials whom they call irresponsible and bad roads, as well as what they call the irresponsible attitudes of some drivers and also agents who are meant to control road safety in Cameroon. The allegations and opinions that we are all not sustained by an opposition, or rather a CPDM party official who was also present on the spot, that is the Duade Reports, a television program on Equinox television on Sunday. Innocent Asse. La Falaise accident that claimed over 53 lives recently gave birth to differing opinions, with others suggesting night journeys be banned on the Douala-Bafoussam road so as to curb such accidents in future. This has sparked off debate in the political college. Il a la parole. Alors vous déclarez sans lui. Vous en prie, il a la parole. Vous pouvez réagir après. Oui, monsieur. SDF's barrister Lavoisier Sapi holds that the problem does not stem from night or day journeys, but from whether the government does its assignments properly. The Minister of Transport, he says, cannot violate existing law authorizing night journeys. Rather, there is need to reflect on real causes of the road accidents. Sur les causes réelles des accidents. Vous avez indexé le ministre Ngale Bibe. Maintenant, Martin Zhang, militant of the CPDM party, kicks back the blame on government authorities into the opposition's camp. Vous avez dîné avec l'État? C'est élémentaire de venir dire que. He blames inter-urban transporters for overloading, picking up and dropping off passengers on the way, thereby putting lives of passengers in jeopardy. He asks, what happened in Chang was an accident which occurred naturally like others. Thus, the state should not be implicated. Mais vous prenez seulement ce cas, mais vous ne dites pas combien de voyages ont été satisfaits sur la même route.
a civilian defense which does not make sense to the CRM and allies. Government authorities, according to Pierre-Emmanuel Binyam, are primarily responsible for all the scandals on the national roads. Poor state of roads, corruption by the regime's agents at control posts, and many others account for frequent road accidents in Cameroon and never nice journeys. Ce ministre sait pertinemment que dans la culture, traveling at night, he says, is already a culture and way of life of the populations of the Northwest, Southwest, and West regions. He questions if the Minister of Transport would have made a similar statement if the accident involved a lorry in the place of the 70-seater bus. Dans le tribalisme que vous avez dit la même chose. Vous faites l'apologie du tribalisme. Voilà le MSC. Meantime, the opposition suggests the Minister of Transport initiates an independent fact-finding commission to probe into all accidents in the country for justice to take its course. On our sports, the intermediate lands of Cameroon and Limbe, chief town of the Fako Division, southwest region of Cameroon. The intermediate lions are ahead in Limbe, ahead of their semi-final match against Morocco. They arrived in Limbe yesterday and also had a training session at the Centenary Stadium in Limbe. They are preparing to get across the equation or to solve the equation of the Atlas Lions, who are also defending champions in Africa, in order to sail through the finals of the competition. That is Totachan Cameroon 2021. Still in sport, the four teams ahead of the finals or semifinals had 48 arrests, and some of the teams have already gone to the places where they are supposed to lock on their counterparts, as Manji Kangebe tells us in the following report. A total of 28 matches have been played this far as teams await for the last four stage of the competition. Out of 28 matches played, 54 goals have been scored, giving us an average of 1.93 goals scored per match. Five of the goals were scored from penalty spot, four of them at the group stage and one during the quarterfinals, while two own goals have also been recorded in the course of the competition. 10 matches ended in draw, with five of them ending goalless. Voted as man of the match in three different games, Sili Nationals Molai Sila, 22-year-old, is topping the goal chart with four goals to his credit. The referees have this far dished out 110 yellow cards, 91 of them during the group stage and 19 at the level of the quarterfinals. The first red cards of the tournament were seen at the quarterfinals. Zambia's Zakaria Chilongosi was the first to be given a matching order out of the pitch by the referee, and Guinea's Mori Kante became the second player during the game against Rwanda. Another player with a red card is Olivier Quizara of Rwanda, who was the third to be given a red card. As the semi-finals comes up on Wednesday, more records are expected to be created. That's all for midday. Meet Julien Berbissa and I tomorrow at 7 a.m. God willing, Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain. Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.